Et salut tout le monde, c'est Link. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Let's Play sur le jeu Endling Extinction is Forever. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Je suis le lendemain. Oui, voilà, je suis moi-même, je suis le lendemain. Des derniers épisodes, j'ai pu dormir. Je suis plus réveillé. Donc ça va chier là. Là, de toute façon, il faut que je regarde plein de vidéos parce que je vais pas pouvoir pendant un certain temps, donc voilà. Après, il y a que Endling en fait que j'ai à record. Il me reste juste à faire du montage pour God of War Ragnarok et le tout dernier épisode sera publié. Oui, parce que en fait, au moment où je vous parle, ce sera le dernier épisode déjà publié en plus. Mais voilà. Moi, il faut que je le fasse. Mais vous, ça doit déjà être fait. Alors. Ok, on a une piste. Alors, on était arrivé dans cette nouvelle zone, du coup, dans le dernier épisode. L'espèce de décharge. Oula, non, attends. Ah non, c'est un piège déjà activé. Ok. Calmos. Alors, il est en train de regarder un piège. J'ai l'impression qu'il y a un mec derrière qui en a profité pour voler son truc, non? Où est la suite? Ah! Ah oui, ça c'est pour se déplacer rapidement. Ah, on a une... Oh, peut-être que ici c'est juste pour marquer la zone. C'est dommage parce qu'en fait c'est la même chose. C'est un petit peu dommage ça. Les événements sont les mêmes icônes que pour marquer sa... son emplacement. Du coup c'est un peu nul. Ouais, il s'est fait voler son truc et du coup on nous a volé notre renard. Il n'y avait pas la gamine dans le truc? Dans le bateau là? Le bateau bourrette? On aurait dit mais je suis pas sûr. Ah bah ouais, t'as cherché les emmerdes. Bah, je crois qu'il y avait la gamine dans le truc. Hein. J'ai cru que c'était deux, mais non, ça devait être la gamine. Ok, on progresse. Hop. Je cherche la bouffe. Eh, on n'est pas... Mais si, nous sommes là. C'est obligé de le dire avec une voix très... très spéciale. Eh ouais, attends, on va aller là. Depuis le temps. Je peux envoyer une bébête ici. Voilà, manger. Oh, mais manger bien, même. Bah, ça, c'est une grosse pomme, hein. C'est mal à la taille de la pomme, hein. Est-ce qu'on essaierait d'aller à l'événement pour voir ce que c'est? Mais je sens que ça va juste être pour marquer son territoire. Enfin, c'est pas pour marquer le territoire. À chaque fois, je dis ça, c'est pour... Louré. Voilà, j'ai bugué, je cherchais le mot. Ah, on n'a pas besoin de bouffe là, on est fou. Ah. Oui. Ah, ils ont des chiens. Du coup, je peux pas passer par là si je veux aller voir. Ah, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir du coup. Si c'est protégé comme ça. Eh, mais je vais pas pouvoir passer là non plus. On peut creuser... Non, on pouvait pas creuser, c'était de l'autre côté que... On pouvait faire des choses. Et là, je suis stressé à chaque fois parce qu'il y a un chemin qui est affiché ici, mais non, tu peux pas... Ah, mais si, putain! Ok, pardon. Excusez-moi, j'étais obligé de parler vulgaire en plus.
Je peux pas prendre l'œuf. Puis. Ah si, ils ont appris à grimper. Oh mais qui sont bien, mais voilà, maintenant ils me suivent partout. Ah, on n'avait jamais vu cette vue. Oh, c'est horrible. Merde, ils l'ont pris. Oh mais quel abattoir. Bon, faut qu'on aille un repère là en fait. Surtout qu'il commence à faire jour. Ah mais il y en a partout en fait des mecs là. On est dans le caca là. Mais merde! Je passe par où? Il y en a partout! Attendez, mais je peux passer nulle part là, je me fais. Je me fais avoir. On peut prendre le TP pour se retrouver à Tanya au pire. Oh merde! En espérant qu'il n'y ait rien sur la route, sinon je vais me faire avoir. J'aurais peut-être dû me cacher dans les buissons, je ne sais pas. C'est bon, il n'y a plus la musique. Du coup, je vais pas pu voir l'événement. Après, on peut y aller, là. Je peux prendre des risques en y allant 2 jours, mais... C'est peut-être pas la bonne idée. Je pense qu'on va prendre le TP pour essayer de faire ça pour une fois. Mais c'est nouveau ce camion. Excusez-moi, est-ce que je décide pas de là où je vais? Ah si. Quoi? Ah oui non, je décide vraiment pas du tout de là où je vais. Mais c'est de la merde. Attendez, est-ce qu'ils sont connectés ou il en prend juste un au pif? Ils sont connectés. Alors, un petit truc qui aurait été sympa, c'est de me montrer la connexion entre les deux. D'accord, moi en fait je pensais que si t'en prenais un, tu pouvais aller où tu voulais quoi après. Ah merde. Du coup là je dois y aller à pied quoi. Et faire face aux dangers qui se resteront sur ma route. Voilà, il y a des gens un peu partout. Je sais pas si on peut rester dehors genre toute la journée. C'est quoi, je suis un fou, j'ai envie d'aller voir l'événement en vrai. Ça a juste été pour marquer son territoire, vous allez voir, je vais me faire avoir. Enfin, pour leurrer, je dis toujours la même chose, bordel de merde, c'est juste pour leurrer! Bon, attendez, on va le faire. Ok, on va pas le faire, on se casse, on se casse, on se casse, cours, cours, courez! Bon. Alors. Alors, bien joué là, parce qu'il y en a dans le coin des mecs. Voilà, il n'y a personne, hein, c'est tranquille. Ça va, on est tranquillou là. Ouais, ça va, tranquille, pépère, il n'y a personne. Et B, quelle expédition. C'est nouveau du coup, là, tous ces chiens qui entourent l'usine. Alors, bah on va aller là-bas du coup. C'est un peu triste. Enfin, pas si fait pour, mais il n'y a plus aucune forêt, quoi. Il y a zéro végétation maintenant. Il ne reste plus rien. Je sens que je me suis trompé de route. Eh, je me suis trompé de route. Hop, par là. Non, mais ouais, c'est le chaos là. Hein. Tous les arbres ont été coupés. De toute façon, dans la vraie vie, enfin, il y a des trucs comme ça. Hein. Vous imaginez avoir une belle forêt luxuriante et d'un coup, bah, il n'y a plus de forêt. Ça doit faire trop bizarre. C'est quoi ce truc là, cette tige géante? Non, mais ouais, ça doit faire trop. Ça doit être face à la désolation, quoi.
Oh. Je croyais qu'il s'était caché là. Ah non, je croyais que je pouvais interagir avec eux. Eh mais il y a l'exterminateur en plus, c'est sa gamine. Ah, je peux pas aboyer. On peut zoomer dans ce jeu, je sais même pas. Ah mais il a enlevé son masque en plus. C'est la première fois qu'on peut voir sa tête, tiens. Vas-y, va prendre de la nourriture. Je t'en prie. C'est quoi le danger? C'est eux le danger? Il m'affiche un danger, il n'y a pas de danger. Peut-être ouais, si je me fais repérer, peut-être qu'ils me foncent dessus, mais... Bah, ça a l'air tranquille quand même. Je crois que c'est pas super, une super bonne idée de traîner ici. On va se prendre un petit rat. Manger ça déjà, ça va un peu remonter. On va se prendre un petit rat pour prendre durant la nuit qui reste. Chais. On va passer, hein, y a rien à voir là. Hop. Ah! Une piste à suivre. Il est de retour, lui. Ah, ça se casse là, votre truc, non? Regardez le petit rat, ce sera notre amuse-gueule. J'ai du mal à comprendre là, ça s'est cassé la gueule, c'est ça? C'est quoi ce truc? En fait, j'ai l'impression que c'est en train de se péter la figure, ce truc. Ah mais j'ai perdu mon rat! Mon rat! Voilà! Ah oui, c'est vrai, c'est d'accord, c'est ces poules-là par exemple que je peux faire sortir de leur enclos. Ah merde, oui, il a quand même couru après l'autre. Ah, courez! Ok, bah ça s'est cassé. Dommage.
Bim le pigeon. Il y a un event à voir. Non, 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 je suis d'accord pour faire avoir. Bon, après, c'est juste une ligne droite. On peut peut-être aller voir quand même. Quoi, merde! Oh putain, je l'avais oublié. Ok. ça va, tout s'est bien passé. Ne paniquez pas. Je n'ai pas paniqué. Attention, hibou. On n'en a pas souvent des hiboux. Ouais, voilà, c'est pour marquer le... C'est pour leurrer. Voilà, j'ai encore failli dire marquer le territoire. Non. De Dieu. Bon, bah, on va passer la nuit. Hop, 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 hop. Ah, coucou. Ah, il m'amène de la nourriture. Oh. Ouais, c'est notre petite famille. C'est bon. Du coup, je ramène un poulet, mais on est déjà full. Il le garde pas pour, genre, plus tard. Ce serait bien, ça. En réserve, tu me congèles. Je pense que ça se conserve. Ah bon, au moins, on perd pas de bouffe, ouais, comme ça. Voilà, on a notre petite famille là avec les blaireaux. Ça aurait été bien qu'on ait d'autres animaux à sauver. Genre, ouais, on fait une grande famille là. Ça aurait été trop cool. Alors. Alors. The fuck? Non, ils ont pas. Ils ont pas fait ce que je crois là. Ils ont pas tué la fille qui chantait. Mais quelle bande d'enfoirés! Allez vous faire foutre! Non! Mais quel connard! Je... Bordel de merde! Mais je suis outré. Putain, des fois, il y a vraiment... Ce jeu, des fois, il te met des images dans la gueule sans que tu t'y attendes. T'es tranquille ou pilou en train de te balader, d'un coup. D'un coup, t'as quelqu'un qui se butait, quoi, dans le plus grand des calmes. Mais merde! Mais c'est abusé! Garder ça pour plus tard, mais. Oh, je suis dégoûté. Bon, après, on la connaissait pas, mais. Elle nous a donné une pomme parce qu'on avait aboyé quand elle chantait. Enfin, non, on avait. Je sais plus c'est quoi le terme pour les renards. Mais voilà, on avait fait du bruit. Et elle avait aimé. Mais choqué. Et du coup, oui, en fait, ils ont l'air de s'en prendre à tout le monde, en fait, ces mecs. En fait, j'ai chaud. Ils veulent contrôler un petit peu partout, quoi. J'ai l'impression. Et ils aiment pas trop le fait qu'il y ait des survivants, des clodos. Oh, ils ont mis un petit piège à sympathique. Un petit peu de nouveauté, là, un petit piège. Ça va pas me donner grand chose en nourriture, je vais me
Faire U. Ah, il va pleuvoir, tiens. Ah, on aime quand il y a une piste à flairer. Ah, y a un truc à aller voir en haut, mais après c'était juste pour poser un leurre, je ne sais pas. Ah, ils m'ont enlevé le piège, sympathique. Attention, attention. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ah, il a enlevé son masque, tiens. Il lui a donné un truc à boire. Est-ce que c'est toujours un médicament, quelque chose? Ah, il va y avoir du chien là, non? Ah, je crois qu'il y a un chien. Elle a l'air de continuer de tousser. Hein. Elle est passée où ma bouffe? Elle est dans l'eau ma bouffe. Comment ça non? Parce qu'ils viennent pour à manger peut-être? Ah non c'est bon. Mais elle est en train de tailler là, c'est la fin là. On approche de la fin là, c'est pas possible, elle est en train de canner la gamine. Hein. Ouais, attendez, en plus, je crois que d'habitude le rond il continue quand même, il y a toujours une petite barre qui avance, je crois. Là, y a rien, je crois qu'on est à la fin là, on approche hein. Après tout, là, il y a toutes les zones qui sont explorées, donc vous me direz. Il va bien falloir que ça arrive à son terme. Il se passe quoi par contre là? J'entends que ça. Ça vibre comme pas possible. Les machines. Ça vibre, ça tape. Ah, salut. Ah mais c'est là qu'ils font les espèces de couvertures. Ouais, mangez ça, tiens. Non, le chien, il est... Ouais, il doit être en bas. Ah sympa ça, ta petite fille est déjà morte. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça mais... Bah c'est clairement destiné à l'autre hein. Je pense. Je pars pas dans la direction que je veux. C'est juste pour marquer le territoire ici. Okay. Pour leurrer, pas marquer le territoire, je me trompe à chaque fois. Il est toujours là le mec hein.
continue. On a combien de temps là? 25 minutes, tranquille. On continue. Ah, déjà? Je pense qu'on est en train d'arriver à la fin du jeu là. Je me s'en rends pas compte, mais je crois qu'on est à la fin. D'ailleurs, pour revenir au moment où il y avait eu la fonte des neiges et la nature qui poussait, j'avais eu l'impression de voir un géant ou je sais pas quoi. Non, en fait, c'était un cadavre. C'est juste que moi, j'avais pas très bien analysé les proportions. Il a balancé son sac. La gamine, elle... Non, mais la gamine, elle est en train de caner là. C'est la fin là. C'est fini pour eux. Je pense qu'on va récupérer notre renard là. Oh, on est en train de partir où là? Ah, ok. Ah, là-haut, c'est débloqué au passage. Elle a acheté son masque. Il est appelé à l'aide, mais apparemment ils en ont rien eu à foutre. On l'entend. Oh non! Il va nous rendre notre renard. Et voilà. C'est super triste. Le pauvre, il a perdu sa femme et sa fille. En fait, le renard, il l'avait enlevé. Oui, il l'avait enlevé parce qu'il voulait une récompense. Puis au final, il l'a gardé pour sa fille, je crois. Toute notre famille maintenant. Mais c'est horrible, lui, il a perdu la sienne. C'est horrible, le contraste c'est fou. Lui, il perd sa famille, mais nous, on la retrouve. C'est horrible. Ah, il n'y a plus la tanière ici. Ah, il n'y a que la tanière au niveau de... Oh, ça veut dire qu'il prévoit quelque chose. Je pense. C'est peut-être le dernier épisode, hein. J'avais pas prévu, mais... Après, c'est un jeu court, hein. Mais... Aussi court, je m'attendais pas quand même. Est-ce que l'event ce serait pas juste. Bon, je vais aller voir, mais. Encore pour le ré. Ouais, c'est ça. Tiens, tu veux pas prendre.
Ah, mais c'est horrible, quoi. Je sens qu'on en a pas fini, hein. Au niveau des trucs horribles. C'est bien fait, je trouve, parce qu'au début, tu considères un peu comme le méchant, parce que bah, il a pris notre renard, quoi. Et au final. Au final, tu compatis pour lui, quoi. Il a perdu sa fille à cause de ce monde de merde. Attendez. Ah, génial. J'espérais avoir un peu de nourriture parce que j'ai plus grand chose. J'ai rien eu. Est-ce que le blaireau veut pas me donner un petit peu de bouffe? S'il te plaît, poteau. Non? Attends, je peux pas trouver un petit peu de bouffe. Y a pas un petit truc quelque part à côté là? Mais y a plus personne, en plus j'avais pas vu, y a plus. Ouais, y a plus aucun survivant. Ah là. Y'a plus la poule aussi. Non, la poule est plus là. Ouais, mais la bouffe qu'il récupère, c'est ce que j'ai perdu en venant jusqu'ici, quoi. Bon, passons la journée. J'hésite à si je dois couper mon épisode parce que j'ai l'impression qu'on arrive à la fin. Là, on a récupéré notre quatrième renard. Il n'y a pas de compétence d'ailleurs, le dernier, du coup. Ouais, on a récupéré le quatrième renard. L'autre, il a perdu sa fille. C'est la dernière tanière qui nous reste ici. Écoutez, je vais prendre le risque de stopper l'épisode ici. Au pire, je pense quand même qu'on va avoir un épisode qui fait au moins 15 minutes. C'est vrai que c'est court, mais en soi, ça va durer possible, acceptable, possible et acceptable d'un épisode. Donc écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Je pense que le prochain est le dernier. Si c'est pas le cas, bah, je sais pas. En vrai, je trouverais le jeu court. Peut-être qu'on va partir de cette zone. Genre de cet ensemble de zones. Et moins que ça soit ça en fait. Ça se trouve, on va quitter son temps. L'articule, bordel! On ne comprend pas sinon. On va quitter cet ensemble de zones. Et ça se trouve, on va se retrouver dans un nouveau type de zone et il va se passer autre chose. On va peut-être suivre d'autres personnages et tout. Peut-être qu'un de nos autres renards va se faire enlever. Je ne sais pas, on va voir. Alors, en tout cas, on va se faire ça pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un commentaire. Et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Allez, salut tout le monde. Bye bye.